Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois sur cette chaîne YouTube pour vous parler, encore une fois, vous allez me dire, du crochet mosaïque, oui, mais cette fois-ci en rond. C'est-à-dire que on va partir du centre et on va venir crocheter en rond, rang après rang, pour venir s'étendre tout le long. Donc on obtient du coup ce carré. C'est un patron qui s'appelle Four Hearts, donc quatre cœurs qui sont donc ici. Voilà. Et cette technique-là en rond, donc ça reste du crochet mosaïque, hein. Le gros avantage, c'est que vous n'avez pas à couper à bout de chaque rang. Vous faites remonter votre fil rang après rang. Donc vous avez cette ligne de couture en soi, de remontée de fil que vous avez ici derrière, mais qui est très nette, hein, qui est super discrète et qui est super jolie. Et du coup, vous n'avez pas à couper vos fils à chaque fois. Et ça, c'est super appréciable. Vous n'avez pas non plus de bordure à faire à la fin pour cacher toutes les franges que vous pourriez avoir lorsque vous travaillez en rang sur du crochet mosaïque standard. Et ça, c'est top. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne font pas de crochet mosaïque justement à cause de ces franges. Là, avec le crochet mosaïque en rond, en rond ça donne un carré, hein, mais on s'entend, on fait des, voilà, on fait des tours, et bien vous n'avez pas ce souci-là. Vous avez après derrière plein de patrons différents, ça peut être en forme de rond, justement, en rond et en forme de rond, ça peut être en carré, ça peut être des hexagones, ça peut même être des rectangles en partant sur une chaîne, on travaille tout autour. Le principe reste le même, c'est-à-dire que vous n'avez pas à couper au fur et à mesure, et vous alternez. De la même façon que vous travaillerez en rang sur un crochet mosaïque, vos deux couleurs, l'une après les autres. Donc le principe est exactement le même, les points sont exactement les mêmes, à savoir des mailles serrées que l'on fait sur les brins arrière du rang précédent et des brides que l'on va faire sur le brin avant deux rangs précédents. Ça ne change absolument pas sur la technique de base. Pour celles qui ne connaissent pas du tout ce que je viens de dire, à savoir c'est quoi le brin arrière, le brin avant, de quoi est-ce qu'on est en train de parler, parce que vous n'avez jamais fait de crochet mosaïque et que justement vous voulez tester. Cette vidéo est aussi faite pour vous parce que vous allez voir donc dans les minutes qui suivent, on va en fait réaliser ce patron ensemble. Alors, pas tout parce qu'il y en aurait pour des heures de vidéo et c'est pas très intéressant, mais à minima au moins les 4 ou 5 premiers rangs, y compris la partie centrale avec le cercle magique. Mais une fois que vous avez compris ces quatre premiers rangs, vous pourrez faire le reste tout seul sans aucun souci. Vous avez donc le graphique, le crochet mosaïque se fait de deux façons, soit en suivant un graphique avec des codes, des croix ou pas de croix, qui vous indique où est-ce que vous devez placer vos brides. Ça, vous le retrouvez du coup, il est gratuit, le graphique est gratuit sur mon groupe Facebook. Vous avez le lien en description, dans les fichiers. Vous fouillez un petit peu, vous allez facilement le trouver. N'hésitez pas à me dire si vous ne le trouvez pas sur le groupe. Je vous le renverrai. Si vous voulez en revanche les instructions écrites, c'est-à-dire rang par rang, toutes les instructions, comment faire le crochet mosaïque, voilà, le tuto vraiment complet écrit, il existe en français et en anglais. Pour celles qui utiliseraient les subtitles sur cette vidéo, qui peuvent activer les sous-titres et qui du coup voudraient la regarder en anglais, le tuto est disponible en anglais également sur Etsy et sur Ravelry. Il est payant, mais voilà, il est à tout petit prix pour celles qui voudraient se lancer et qui voudraient du coup par contre avoir les instructions écrites parce que le graphique c'est quelque chose qui n'arrive pas ou qui ne préfère pas et qui préfère du coup les versions totales écrites. Donc ça, c'est disponible sur Etsy ou à Ravelry. Je vous mettrai les liens aussi en description de la vidéo. Donc là, on verra tout ensemble. C'est-à-dire qu'on va regarder comment on lit un graphique. Techniquement, après ça, vous devriez être capable de lire le graphique du coup. Et comment ça se passe, comment on fait du coup les angles, où est-ce qu'on les fait, les mailles serrées, les brides. On verra à la fin comment on fait, voilà, moi comment j'ai fait ma bordure, c'est un point d'écrevisse. Mais bon, celles qui n'ont jamais fait le point d'écrevisse pourraient se poser la question. Mais voilà, c'est des mailles serrées à l'inverse, hein, inversées, mais ça fait cette petite vaguelette en haut qui est absolument adorable.
Et on verra comment, à partir de ce carré-là, on peut faire une petite pochette de rangement à deux ou quatre compartiments en fonction de ce que vous voulez. Alors, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez une fois que vous avez ça, hein. C'est-à-dire que vous pouvez faire, vous en faites deux, vous faites une housse de coussin, vous en faites au moins trois, ça vous fera un petit sac comme quand vous assemblez des granits. Vous pouvez faire des couvertures, vous pouvez faire un tapis, pourquoi pas, en alternant les couleurs une sur deux, en alternant le fond et le motif. Voilà, vous faites absolument ce que vous voulez, mais moi je vais vous montrer comment, en fait, en partant de ça, on arrive à une petite pochette qui ressemble à ça. Vous voyez, bon, là j'ai mis un petit anneau en bois, vous savez, c'est les anneaux pour les rideaux qu'on met sur les tringles. Mais vous pouvez tout à fait mettre une petite anse que vous crochetez, un bout de bois, enfin, vous faites absolument ce que vous voulez. Et ça vous permet, du coup, voilà, une fois que c'est plié, il y a une ligne de couture à faire à deux endroits. Enfin, c'est vraiment très simple. Et puis, bah, du coup, ça vous permet, voilà, vous pouvez suspendre et puis vous pouvez mettre vos crochets, vos stylos, une paire de ciseaux ici. Vous faites à peu près ce que vous voulez. Vous pouvez mettre dans la salle de bain, vous mettre vos petits pinceaux de maquillage. Vous pouvez, voilà, en faire à peu près ce que vous voulez. Et donc, ça, on verra à la fin comment on fait pour le plier de cette manière et obtenir, vous voyez, il y a quatre petites pochettes de rangement tout autour. Et ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel carré suffisamment grand, forcément, parce que c'est une fois qu'il s'est replié, sinon ça redevient un peu petit. Mais voilà, si vous avez un autre modèle de granit, même pourquoi pas, qui n'est pas du crochet mosaïque, vous pourrez du coup tout à fait plier également de la même manière et coudre exactement de la même manière pour les transformer du coup en pochette. Donc c'est parti pour les explications du patron et du crochet mosaïque de manière générale. Donc, comme je disais, on va revoir les bases ensemble du crochet mosaïque, là plus particulièrement donc le crochet mosaïque en rond. En général, donc vous avez toujours un graphique comme celui-ci et vous avez de temps en temps, pas tout le temps, une partie écrite. Là, c'est donc le cas. Vous avez le graphique qui est gratuit sur mon groupe Facebook. Vous avez tous les liens, donc comme je vous disais tout à l'heure, en dessous de la vidéo. Vous pouvez, si vous le souhaitez, télécharger sur Ravelry ou Etsy la partie complète avec les instructions du coup écrites rang par rang si c'est plus simple pour vous ou si vous voulez avoir le patron entier. Mais là, du coup, on va se focaliser sur le graphique. Donc, comment on lit un graphique en crochet mosaïque? Ça peut arriver, c'est même d'ailleurs assez souvent le cas, qu'un graphique en crochet mosaïque en rond ne comporte que un quart du coup du carré. Là, c'est pas le cas. Vous avez le graphique total, mais comme vous le voyez, vous avez des petits symboles sur cette partie-là. Pourquoi? Parce que ces deux parties ne se répètent pas quatre fois. Il y a des similitudes, il y a des différences de chaque côté. Donc, il y a bien deux parties écrites. Globalement, vous avez donc toujours un centre qui se fait en utilisant un cercle magique plus ou moins grand. Ça, vous avez toujours les explications écrites qui vous sont fournies. On verra du coup cette partie-là ensemble. Et vous avez ensuite des rangs, donc là qui sont indiqués sur le côté, donc le rang 1, le rang 2, le rang 3. On commence toujours un rang par le coin. Vous avez des angles à hein, chaque fois. Et on commence son rang toujours par faire un angle. Donc on va commencer par un angle et ensuite on va faire tout le tour et on va finir au même endroit sur cet angle-là. Et ensuite on va faire le rang 2, le rang 3, le rang 4. Le crochet mosaïque, de manière générale, se crochète en utilisant deux couleurs. Moi, je vais utiliser le blanc pour le fond et le rose, qui est un peu plus saumon là sur ma vidéo, pour faire donc mes cœurs. Et vous allez alterner les deux couleurs. C'est pour ça que c'est relativement agréable à faire le crochet mosaïque, c'est que vous n'avez pas à croiser vos fils. Vous utilisez une couleur pour faire tout un rang et ensuite vous faites le deuxième rang en alternant le rose, le troisième rang le blanc, le quatrième rang le rose.
on ne coupe pas son fil au fur et à mesure, donc on ne se retrouve pas avec plein de fils à devoir rentrer après à l'aiguille. On a juste les deux fils du début et les deux fils de la fin. Donc c'est pour ça, c'est pareil, c'est très appréciable. Vous avez ensuite globalement trois points, pour simplifier, à connaître. Vous avez la maille serrée. Donc la maille serrée sur les graphiques, elle est représentée par un carré vide. Tous les carrés représentent un point. C'est une maille par carré. Et à l'exception des angles, mais ça on va y revenir. Donc lorsque vous avez un carré qui est vide, ça signifie que vous devez faire une maille serrée. Lorsque vous avez une croix, ça signifie que vous devez faire une bride. La petite subtilité en crochet mosaïque, c'est que les mailles serrées se crochettent sur la boucle, le brin arrière de votre maille du dessous, sur laquelle vous allez la crocheter, alors que la bride se crochette sur le brin avant, deux rangs en dessous. Donc là, typiquement, si je prends cette bride qui se situe ici sur mon rang numéro 4, je vais aller attraper le brin devant de ce rang numéro 2. On va le faire en vidéo ensemble, hein, on va aller faire, je pense, les 4-5 premiers rangs ensemble pour bien que vous voyez. Mais globalement, c'est tout ce que vous avez à savoir, ces deux points-là. Le troisième point, c'est la maille en l'air dont on va avoir besoin pour les angles, parce que chaque angle correspond à une maille serrée, une chaîne, une maille serrée. Donc on va à chaque fois faire une maille serrée, une chaîne, une maille serrée, et là, nos deux mailles serrées. Et on revient sur notre angle, une maille serrée, une chaîne, une maille serrée, etc., etc. Donc globalement, vous avez trois points. La maille serrée, mais sur le brin arrière, la bride sur le brin avant, et la chaîne, la maille en l'air. Donc, on va faire notre cercle magique. Hop, j'ai un petit brin qui est parti. Voilà. Et donc, on nous dit de faire 6 mailles serrées. Donc, la première boucle, je la compte pas, hein, dans les 6. Hein. Donc, on en fait 6. Donc là, c'est des mailles serrées, tout ce qui est le plus simple. 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, là, vous utilisez la couleur qui sera la couleur du fond. D'accord? Donc, moi, encore une fois, c'est blanc, mais... si vous changez de couleur, c'est celle du fond que vous devez utiliser pour faire le cercle magique. Donc vous tirez sur votre fil de votre cercle magique et on va venir sceller notre rang par une maille coulée. Glissée, hop. J'ai fait ma première maille un peu serrée comme d'habitude, mais c'est bon, on y arrive. Voilà, donc on a notre cercle, vous pouvez resserrer un peu plus, moi je resserre de toute façon toujours après coup. On va faire une maille en l'air, pardon. Et donc maintenant, pour faire pour finir ce centre, on n'est toujours pas au rang 1, on est toujours au niveau du centre, on va venir faire une augmentation dans chacune des mailles, donc c'est-à-dire qu'on va venir faire deux mailles serrées. Dans chacune des mailles, on obtiendra donc 12 mailles serrées à la fin. Alors, vous pouvez tout à fait mettre un marqueur hein, si vous souhaitez dans votre première maille pour être sûr de bien arriver au bon endroit. Si vous avez un doute, sinon bah, vous comptez. Normalement, quand vous arrivez à 12, c'est que vous avez fait le tour. Donc là, on en a fait 2, 3,
3 qu'on repique au même endroit. 4. Et 10. Onze et 12. Alors, donc là, on va venir joindre, donc non pas dans la maille en l'air du début, mais bien dans la première maille serrée qu'on a faite tout à l'heure. Donc c'est pour ça que je vous disais, n'hésitez pas à mettre un petit marqueur de rang dans votre première maille serrée si vous avez voilà, peur de vous tromper. Et donc là, en fait, on va faire ce qu'on appelle donc un invisible john. Alors en français, c'est une maille coulée invisible, je crois. Et pour ce faire, on va donc retirer notre crochet de notre maille, on va venir l'insérer dans les deux brins de notre maille serrée, donc la première maille serrée de notre rang, de l'arrière vers l'avant, l'avant de notre travail, d'accord? Et on va tout simplement aller venir attraper notre boucle qu'on va retirer vers l'arrière. Voilà, donc maintenant qu'on a joint notre cercle avec notre maille coulée invisible, on va aller attraper notre deuxième couleur. Donc là, c'est la couleur du coup du motif, donc la couleur des petits cœurs. On va tout simplement, donc l'arrière de notre travail avec notre boucle qu'on a tiré juste avant, on va aller venir attraper notre couleur numéro 2 dans cette boucle. On met le crochet sur l'avant et là on vient serrer en tirant sur la couleur numéro 1 qui est donc notre couleur du fond. On se retrouve avec une boucle et on vient faire une maille en l'air. Donc tous les rangs vont se terminer de la même façon. On va faire, comme je vous ai dit, plusieurs ensemble. On termine par une maille coulée invisible. On attrape la nouvelle couleur à l'arrière du travail en la faisant remonter à travers la boucle, donc une maille coulée, hein, et on vient serrer avec l'ancienne couleur et on fait une maille en l'air et on est prêt du coup à démarrer notre nouveau rang. Donc qu'est-ce que nous dit notre nouveau rang? On est du coup sur le rang numéro 1, donc je vais me mettre comme ça. Et notre rang numéro 1 nous dit quoi? Nous dit qu'on doit faire un angle, deux mailles serrées, donc c'est les deux mailles sans croix, en rose ici, deux mailles serrées, un angle, deux mailles serrées, un angle, deux mailles serrées, un angle. Donc pour faire notre angle, on va aller venir faire une maille serrée sur le brin arrière uniquement hein, de nos mailles, de nos brins, une chaîne et une maille serrée. On a notre premier angle. On vient ensuite faire deux mailles serrées, toujours sur le brin arrière. De toute façon, maintenant, il n'y a plus que ça. Hein. Il n'y a plus de mailles serrées classiques, j'ai envie de dire. Et encore un angle. Donc, une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée, le tout dans la même maille. On a notre deuxième angle. Une maille serrée, deux mailles serrées, un angle, maille serrée, maille en l'air, maille serrée, et deux, trois angles, et encore une fois, deux mailles serrées, un angle, voilà, donc là on a nos quatre angles. Et on vient du coup faire nos deux mailles serrées finales. Et on va donc venir joindre notre cercle dans la première maille serrée
de notre premier angle. Ici, donc dans mon angle, j'ai une maille serrée, ma chaîne, ma maille en l'air, et ma maille serrée. Je viens joindre du coup dans cette première maille serrée que j'ai faite au tout début. Je viens attraper mon fil, je le passe sur l'arrière et je viens sur l'arrière de mon travail récupérer mon fil blanc, le passer à travers, serrer mon fil rose et faire une maille en l'air. Là, je suis prête à commencer du coup le rang numéro 2. Le rang numéro 2, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'on va devoir faire un angle, une maille serrée, deux brides, une maille serrée. Un angle, une maille serrée, deux brides, une maille serrée. Donc ça, on répète 4 fois. Donc on va le faire ensemble. Tous les rangs commencent à partir de maintenant, parce que jusqu'à présent, on n'avait que des mailles serrées sur le rang blanc. Mais à partir du moment où maintenant on a des angles, on commence notre nouvel angle, du coup, dans la chaîne et dans le brin arrière de la maille en l'air de notre angle. D'accord? Donc, je vous le remontre. Vous avez votre angle ici qui est composé de ces trois-là. On vient refaire, du coup, notre angle toujours dans cette maille en l'air de notre angle. Donc, on recommence avec notre nouvel angle. Une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Voilà pour la partie angle. Et donc on vient faire une maille serrée. Et donc là on va venir faire deux brides sur le brin avant, deux rangs en dessous. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper quand vous travaillez en crochet mosaïque. Vous avez donc le rang qui est là et le deuxième rang en dessous. Mais quand vous travaillez du blanc, vous allez accrocher sur le blanc. Quand vous travaillez le rose, vous accrochez sur le rose. Hormis exception, mais on est sur vraiment du patron simple et tout ce qui est le plus classique. Donc là, du coup, le brin qui est donc avant, en dessous hein, de la maille que je travaille, il est ici. Donc je l'attrape, je glisse mon crochet en dessous. Et je fais ma bride. Donc on nous dit 2, donc j'en fais une deuxième sur le brin avant de la maille à côté. J'ai mes deux brides et je viens faire une maille serrée, pardon, et mon angle, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Je reprends une maille serrée, deux brides, deux brides, une maille serrée. Et un angle. Répétez tout le tour. Voilà, on vient finir notre rang par la fameuse maille coulée invisible. Donc, on attrape le rose. On vient serrer le blanc et on fait une maille en l'air. Et voilà pour notre rang 2. Notre rang 3, qu'est-ce qu'il dit? Donc toujours notre angle et cette fois-ci on a donc deux brides, deux mailles serrées, deux brides. Et on répète tout le long. Alors, lorsque l'on a une bride dans, je vais vous montrer en vert,
D'ailleurs, c'est en vert sur le graphique que vous allez télécharger. Lorsque vous avez une bride, juste après un angle, comme ici, ou juste avant, d'accord? Donc vous avez ici, vous allez avoir la même chose ici sur le rang 5, pareil ici sur le rang 8. Toutes ces croix-là, elles seront marquées en vert pour attirer l'attention. Mais voilà, lorsque vous avez donc une bride à faire juste après un angle, cette bride-là, elle devra être faite dans la chaîne de l'angle précédent. Donc on va le faire ensemble. Là, il faut que je fasse mon angle. Donc j'ai une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Et donc je dois faire deux brides, deux mailles serrées, deux brides. Ma première bride, vu qu'elle est juste après mon angle, je viens en fait la faire dans la chaîne, dans le brin avant de la maille en l'air de mon angle qui était ici. Donc ici je vais avoir une bride et la deuxième bride ici. Hop, je vais remettre ça parce que sinon le focus ne se fait pas. Voilà, donc j'ai mes deux brides, mes deux mailles serrées sur le brin arrière, hein. Vous voyez bien là, sur le brin arrière, et donc deux brides, brin avant ici et brin avant de ma maille en l'air de mon angle. Pourquoi c'est différent? Parce que ça veut dire que sur le tour, le côté d'après, on va aller refaire une bride dans cette même maille. Donc là, je fais mon angle, maille serrée, maille en l'air, maille serrée, et donc je repars pour deux brides. La première va être faite dans le même brin avant que la dernière du carré du tour précédent. Vous voyez, ici elle a été faite piquée au même endroit. Là, j'ai ma deuxième, mes deux mailles serrées, et mes deux brides, une ici et une dans la maille en l'air. Voilà, donc là je vais faire mon angle et lorsque je vais recommencer à faire ma deuxième bride, je viendrai la faire exactement dans le même, une ici et une ici. Voilà ce que ça donne. On vient finir le rang. Là. Je remonte le fil blanc et je serre mon fil rose et je fais une chaîne. Voilà. On va faire peut-être un dernier ensemble. Donc notre rang 6, n'importe quoi, notre rang 4, quand même pas. Notre rang 4, donc on a notre angle. On a notre angle suivi de 3 mailles serrées, 2 brides, 3 mailles serrées et on recommence notre angle, 3 mailles serrées, 2 brides, 3 mailles serrées. Donc, notre angle, maille serrée, chaîne, maille serrée. Hop. On a 3 mailles serrées. Et deux brides.
Et encore, 3 mailles serrées. Et on recommence notre angle, 3 mailles serrées de bride, 3 mailles serrées, notre angle, tout le tour, et on vient joindre à la fin. Donc voilà ce que ça donne à la fin du rang 4. Et une fois qu'on a fait notre joint, et du coup, vous n'avez plus qu'à continuer. J'ai envie de dire, maintenant que vous avez compris les bases, vous faites votre rang 5, 6, 7, 8, toujours en commençant donc par votre angle, en vous rappelant bien que là, comme pour le rang 5, dès que vous avez une bride qui doit être faite juste après et juste avant un angle, vous allez venir, là en l'occurrence on doit en faire 4 brides, la première vient se faire ici dans notre angle. Et vous voyez, de toute façon vous voyez bien, vous avez 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc on aura 2 brides dans la même boucle ici dans notre angle. Donc faut pas, voilà, faut pas vous inquiéter. Si vous voyez que vous pouvez en faire que 3, c'est normal, c'est parce qu'il faut que vous repiquiez dans la même dans le même brin avant de la chaîne de l'angle du rang du dessous. Ils sont indiqués encore une fois en vert sur les graphiques. Voilà. Je vous retrouve moi à la fin, je vais finir du coup le patron et on se retrouve à la fin pour voir comment on peut faire une bordure tout autour. Ou ce qu'on peut faire d'autre que le patron moi que je vais vous montrer. Mais voilà, là vous avez vraiment les bases pour pouvoir faire tout type de projet en crochet mosaïque en rond. En rang c'est encore un peu différent, il y a encore 2-3 petites choses qui vont différer. En rond c'est vraiment la méthode, je vais dire, parfaite pour commencer. Donc c'est voilà, si vous êtes totalement nouveau sur cette méthode là, c'est vraiment parfait pour commencer, c'est ce qu'il y a vraiment de plus simple. Et donc voilà notre carré terminé. Donc là je viens de terminer le dernier rang, donc le rang 28, donc qui a un rang blanc. Je viens de le terminer en faisant du coup une maille glissée invisible, en emmenant ma boucle à l'arrière. Cette fois-ci, du coup, on ne va pas aller chercher notre deuxième couleur, puisque on a terminé. On pourrait, si on voulait, continuer le motif, mais ce n'est pas le cas ici. Donc, une fois que vous avez terminé votre carré, là, maintenant, libre à vous de faire un peu ce que vous voulez avec. Vous pouvez tout à fait en faire un deuxième pour faire un coussin, par exemple, une housse, ou un tout petit sac. Vous pouvez en faire plusieurs comme si c'était des granits, les joindre. Alors à partir de 3, vous pouvez faire un sac déjà assez sympa, mais même voilà, à partir de 4, il suffit de les aligner d'une certaine façon. On en met un ici, un ici par exemple, et on les plie. Vous rajoutez des anses, vous pouvez le laisser tel quel, bien sûr, le mettre sur une table, en centre de table, ça peut faire super sympa, même dans un petit plateau carré. Moi je vais vous montrer comment faire du coup la petite pochette qu'on peut du coup après suspendre. Pour ça on va faire du coup une bordure. Vous pouvez faire celle que vous voulez, c'est évident, mais moi personnellement j'aime bien faire les mailles serrées inversées. C'est tout simple, mais je trouve que c'est très efficace en termes de rendu. Je trouve vraiment que ça rajoute quelque chose d'assez sympa, alors que ce ne sont que des mailles serrées, certes à l'envers, inversées, mais quand même. Du coup, pour ça, vous avez donc votre maille à l'arrière, vous venez faire juste une maille en l'air, une première maille en l'air, et vous allez faire des mailles serrées, sauf que au lieu d'aller sur la maille de gauche juste après, vous allez piquer sur la maille de droite. Donc on va en faire quelques-unes ensemble. Donc la première est toujours un peu plus délicate, mais voilà, vous avez donc votre première maille à droite, vous piquez dedans. Alors vous piquez un peu, c'est un peu comme vous voulez, vous pouvez faire soit dans les mailles arrière, ça rend aussi sympa. Là je préfère le faire dans les deux mailles. Mais voilà, ça c'est un autre rendu encore une fois. Donc vous piquez, vous sortez,
et vous faites votre maille serrée. Vous piquez, vous sortez, vous faites votre maille serrée. C'est assez particulier au début. On a un peu l'impression de cette trompée de sens. Hein. Mais ça vient assez vite, c'est assez chouette à faire. Et je vais vous montrer au bout de quelques rangs, enfin quelques rangs, quelques points, ce que ça donne. Ça donne une sorte de petite vaguelette qui est hyper sympa. Ça permet vraiment d'avoir une petite finition un petit peu bosselée comme ça. Je trouve ça vraiment très très joli. Pas ce que vous en pensez. Alors vous pouvez bien sûr la faire avec la couleur contrastante, hein. ça peut être chouette aussi. Moi j'ai décidé de la faire plutôt neutre et qu'elle se voit quand même pas trop. Je trouve qu'elle se suffit à elle-même. Ça fait juste voilà une jolie petite finition un peu dentelée. Mais voilà, après vous pouvez tout à fait la faire sur la couleur que vous avez utilisée. Pour faire les petits cœurs, elle sera encore plus visible, ça c'est une évidence. Mais voilà, c'est une affaire de goût. Et donc vous faites ça tout le long. Donc maintenant qu'on a fait notre bordure, on en arrive à la partie donc du pliage pour le mettre en pochette. Donc pour ça, on va venir prendre notre carré et on va venir le plier en deux pour former du coup voilà, un triangle. Alors, il ne faut pas le plier en deux pour former un rectangle, vas-y, en deux pour former un triangle. Donc on se retrouve comme ça avec notre partie d'angle qui est donc ici et notre partie d'angle également ici. Voilà. Donc, le but du jeu, c'est effectivement donc, de le mettre comme ça et on va venir, donc j'ai pris un bout de mon fil blanc qui est donc la couleur de mon fond. On va venir donc voilà suffisamment long, j'ai pris à peu près deux fois la longueur totale, une aiguille à laine et en fait on va venir tout simplement coudre les deux parties ensemble au niveau de nos angles en faisant juste voilà attention de se mettre au bon endroit à chaque fois et pour pas se retrouver à la fin avec quelque chose de détendu. Voilà, le but c'est vraiment qu'on se retrouve avec nos deux angles qui sont bien réunis au bout. Donc on va faire, moi je fais un petit nœud juste histoire que ce soit plus gros et je vais aller piquer et faire juste un petit nœud pour sécuriser mon fil de couture au milieu, au tout début de du cercle central. Ça c'est juste voilà pour attacher mon fil et sécuriser ma couture et on va aller ressortir de l'autre côté, hop, histoire de pouvoir travailler de face. Donc on se remet proprement, on a notre fil de couture qui ressort et donc en fait on va venir faire des allers-retours en piquant au fur et à mesure tout le long de notre ligne médiane qui est ici, le but étant de ressortir au même endroit symétriquement. Donc là par exemple je vais venir piquer ici pour mon premier point, je vais ressortir au même endroit de l'autre côté. D'accord ? Et on va faire ça tout le long, c'est-à-dire que là maintenant, on retourne le travail, on va aller piquer dans le deuxième trou qui est ici, et on veut ressortir du coup dans le deuxième trou. Donc là, je suis pas dedans. Hop, voilà. Ici. On continue. Alors, si vous voulez vraiment quelque chose de hyper serré, hyper solide, vous pouvez tout à fait vous faire un point au milieu, par exemple ici. Hein.
C'est vraiment vous qui voyez. Et donc là, on ressort dans le deuxième. Le troisième. Donc ici. Et ainsi de suite, jusqu'à temps que vous soyez arrivé tout en haut. Ok. Voilà, donc là, je suis arrivée jusqu'en haut. Et donc maintenant, vous avez deux possibilités. Vous allez, donc vous avez votre couture qui est ici. Vous repliez une première fois l'angle qui reste. Donc vous avez votre petit cœur qui apparaît sur un des côtés. Et vous repliez encore une fois le quatrième angle. Donc vous avez ça qui se forme et vous avez du coup vos quatre cœurs qui se déploient de chaque côté. Avec toujours notre couture qui se fait ici. Soit vous gardez comme ça et donc là vous aurez une grande pochette où vous pourrez passer de tous les côtés. Soit vous voulez vraiment que ici également ce soit fermé et d'avoir vraiment quatre compartiments qui soient ici également fermés. Et dans ce cas-là, vous reprenez votre aiguille qu'on n'a pas du coup enlevée tout à l'heure. Hop, je reprends mon fil qui est tout en haut. Et vous allez du coup venir faire exactement la même couture qu'on a fait tout à l'heure. Vous repassez du coup cette fois-ci, voilà. Et vous faites exactement comme tout à l'heure, sauf que bah, cette fois-ci, on va aller piquer ici. Vous voyez ? Donc du coup, là, je vais aller piquer dans mon deuxième ici, et je vais ressortir dans le deuxième là. Ça, le fait de faire cette deuxième couture, ça vous permettra vraiment d'avoir quatre pochettes totalement indépendantes. Sinon, quand vous allez mettre quelque chose ici, ça peut se retrouver là, quoi. Mais c'est voilà, tout dépend de ce que vous voulez y ranger. Donc, je pique dans le troisième, je ressors dans le troisième ici. Et on continue comme ça. Jusqu'à temps qu'on soit arrivé en bas. Vous serrez un peu, enfin serrez pas trop non plus. Hein. Le but c'est pas de détendre le motif. Juste que voilà, que ce soit serré suffisamment pour pas que ça se balade par la suite. Mais on n'est pas non plus dans de la couture de précision sur un vêtement ou autre. Ou même un sac qui voilà qui supporterait un poids beaucoup plus important que ce que cette petite pochette va supporter. Là, on est plus pour y ranger des clés, des stylos, des pinceaux. Hop. Le dernier. L'avant-dernier. Je vais aller un peu trop vite. Voilà. Et notre dernier point qui est ici. Voilà. Donc là maintenant vous rentrez votre fil. Moi je le repasse parce que là je suis blanc. Donc je le repasse sur le blanc. Et ensuite vous venez faire un petit nœud. Histoire que votre couture ne bouge plus. Hop. Et vous rentrez votre fil. Je vais le repasser par là. Et puis je vais le repasser tout le long de ma couture sur quelques centimètres. Hop. Voilà. Et voilà, donc vous avez du coup votre petite pochette qui est prête, donc avec ces quatre compartiments. Bon, vu du dessus, ça donne pas grand chose. Vu du dessous,
ça donne ça. Il reste plus qu'à le suspendre. Et alors voilà, pour le suspendre, vous pouvez remettre un petit anneau comme je vous avais montré, comme celui-ci. Vous avez juste du coup avec vos petits angles à positionner votre anneau et puis à passer quelques tours de fil par exemple. Vous pouvez, moi j'avais récupéré ça sur une ancienne panière, vous pouvez tout à fait venir ici de la même façon faire un point et la suspendre comme ça, ou même avec deux bouts de fil ici. Excusez-moi. Vous pouvez, moi c'est ce que je vais faire là pour celui-ci, je vais venir crocheter une petite anse en crochet avec une licorde par exemple, ou même une tresse, hein. Vous n'êtes pas obligé de crocheter quoi que ce soit, hein. Vous pouvez venir prendre 2-3 morceaux de fil de la couleur de votre patron, les tresser ensemble ou les torsader pour ensuite venir voilà, vous faire votre petite attache qui viendrait derrière, hop, c'est mon bureau, pour venir du coup effectivement ben voilà, le suspendre ensuite derrière, soit à un crochet, à peu près tout ce que vous voulez. Le tout, voilà, c'est de pouvoir le suspendre à quelque chose, donc il faut que vous trouviez une petite attache qui vous convient, quelle qu'elle soit. Vous pouvez même, à la limite, si vous avez un crochet en place, ça reste du crochet, hein, donc pourquoi pas le suspendre directement dans le trou des angles via le crochet si vous ne voulez pas qu'elle soit trop suspendue, justement. Voilà, j'espère que du coup, cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie de tester le crochet mosaïque, surtout de tester de nouvelles choses, de faire plein de cœurs, des petits, des grands. Vous avez vu déjà la différence de taille juste entre voilà. Deux types de coton, vous pouvez en faire des toutes petites, vous pouvez en faire des beaucoup plus grandes. Et voilà, le tout c'est de s'amuser, encore une fois, le crochet c'est juste censé être fun. Et puis bah, si ça peut être pratique et nous faire quelques petits objets du quotidien, ça peut être toujours chouette. N'hésitez pas à me montrer vos réalisations, à chaque fois j'adore voir ce que vous faites à partir de mes patrons, donc n'hésitez pas à me notifier. À m'envoyer des petits messages, que ce soit sur Facebook, Instagram, pour me montrer du coup les couleurs que vous avez choisies. Si vous avez eu des difficultés aussi, n'hésitez pas à me contacter. J'aide toujours avec grand plaisir quand je le peux. Donc si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez surtout pas à me le dire. On essaiera de débloquer le sujet ensemble. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur le crochet mosaïque. Ou pas. Et puis bah, si vous avez justement des suggestions sur d'autres types de crochets, sur d'autres patrons que vous souhaiteriez qu'on regarde un petit peu plus ensemble, et bah, pareil, n'hésitez pas à utiliser la section commentaires de la vidéo et je regarderai si effectivement on peut explorer d'autres horizons laineux ensemble. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une excellente journée et une super session de crochet à venir, j'en suis sûre. À bientôt.